Also, Noah-Examen sind noch nicht geschrieben. Auch die Schule lassen alle tun. Mit dem Nötsch-Kanal hat es eine wohlverdiente Sommerpause. Ein paar Schüler haben aber schon im September etwas für uns Tele gefilmt. Und da fängt man mit neuen Reportagen und mit einer bisschen kurzer, gemütlicher Sendung der Saison an. Den Ulzig-Kanal hat eine neue Serie, und zwar Dolf von der Eich. Also, den ersten Stopp haben wir am Schloss zu Ansenburg gemacht, dann den 19. und 20. September am Kader von der Journée Européenne du Patrimoine besichtigt haben. Cet endroit est vraiment inscrit dans le patrimoine luxembourgeois à double titre, naturel et culturel. C'est vraiment une vallée qui a été extraordinairement préservée, je dirais, du modernisme dans ce qui n'a pas de meilleur du XXe siècle. Et c'est une très bonne chose qu'on l'ait oublié, puisque maintenant je crois que le monde en général a une vision un peu différente de ce que c'est que l'agrément, le plaisir de la vie, et donc on respecte beaucoup plus et le patrimoine naturel, la vie, la faune, la flore, et aussi donc le patrimoine culturel, donc le patrimoine historique que représente ce château et ses jardins. Ce jardin vraiment se transforme de saison en saison. Et c'est presque une invitation à découvrir ce que c'est que l'écoulement, le développement des saisons. Pas seulement le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais je dirais presque les transitions qu'il y a dans chacune des saisons, puisque vraiment on voit tellement la végétation changer. Ce jardin met en scène un peu cela, et puis quand on le visite, quand on s'y promène, c'est aussi un moyen de peut-être contribuer à développer sa sensibilité à ces mécanismes de la nature changeants. On parle pour la Journée européenne du patrimoine de jardin de plaisir et d'agrément. Je crois que toute l'histoire de ce château montre vraiment qu'il a été conçu comme tel, vraiment pour être un lieu de plaisir et d'agrément, avec la personnalité extraordinaire de ce comte Lambert Joseph, a voulu avoir une résidence et des jardins qui correspondent à ses aspirations, je dirais, sociales. Et donc en fait, il avait déjà un mode de vie donc de maître de forge. Il fallait qu'il ait un mode de vie suffisamment nobiliaire pour pouvoir être reconnu un jour comte, puis comte du Saint-Empire, ce qui est advenu au milieu du XVIIIe siècle. Donc là, vous vous trouvez sur le portail d'entrée du grand château d'Ansembourg. Vous voyez les armoiries. C'est un des portails, puisqu'il y en a un autre qui se trouve du côté de la route. Le côté court, c'était aussi un peu l'aspect technique, en fait, hein, j'irais intendance du château, puisqu'il y avait les écuries qui étaient là, la cuisine, donc à cette grande cour. Et l'autre côté, côté jardin, c'est un peu plus côté apparat, je dirais, du jardin. Il avait réuni ici des collections extraordinaires de plantes rares, d'agrumes, bergamotiers, citronniers, orangers. À l'autre bout de la limite logique, donc c'est-à-dire vraiment à l'opposé de l'aigle, il y avait une entrée. On pouvait rentrer, donc une entrée carrossable. Et donc on entrait, c'est pour ça qu'on entrait sous la loggia, qui permet de ne pas être mouillé en cas de pluie, et de monter ensuite l'escalier, rentrer dans le château. Donc Artémis fait face à Silène. Artémis, bien sûr, c'est la déesse de la chasse, c'est la déesse, la reine des bêtes sauvages, et elle fait face à Silène, donc Silène qui symbolise aussi les forces de la nature, donc la sève qui monte. On peut comprendre de différentes façons, en fait, le symbolisme de ces statues. On peut le voir d'abord comme donc un hommage tant à la famille d'Ansembourg, au comte et à la comtesse d'Ansembourg de l'époque, puisque cette statue commence par les blasons de la famille. Du côté du comte, on trouve donc trois statues mâles et deux femelles, et du côté de la comtesse, trois statues femelles et deux statues mâles, qui symboliseraient les vertus du comte et de la comtesse d'Ansembourg.
On peut les voir aussi comme symbolisant avec l'aigle bicéphale de, donc, de la monarchie autrichienne de l'époque, qu'il y a anobli la famille. On peut voir aussi comme le croisement des opposés, donc mâle-femelle, et aussi croisement de, disons, de vertus. Par exemple, vous avez au bout de l'allée Hercule et Vénus, la force, la beauté, et donc symboliserait aussi que dans la vie, on doit justement apprendre à croiser les opposés pour se perfectionner. C'est un des symbolismes de cette allée. Voilà, donc Mercure se situe en face de Pomone, abondance, donc ça signifie aussi qu'il ne suffit pas de produire, de donner des fruits, mais aussi il faut les vendre, parce que si on ne les vend pas, on ne peut pas arriver à vraiment fonder une certaine prospérité. Donc ce labyrinthe, il est d'époque, il n'existait plus donc quand l'organisation Skumekiri l'a acquis, mais il a été restitué selon le dessin de Marc Chollen. Et il invite bien sûr au divertissement. Il invite aussi à découvrir, suivant certains angles de vue particuliers, et donc il met un petit peu en relief, en écrin, certaines des statues de l'allée mythologique. Lucrèce, oui, Lucrèce, c'est très intéressant. On sait, elle a été violée par le dernier roi de Rome. C'est d'ailleurs en raison de cela qu'on a fondé la République romaine. Et elle fait face au jeune Bacchus, qui symbolise aussi une vie tournée vers la nature, symbolise aussi tout cet aspect dionysiaque avec la poésie, la musique, et aussi qu'il y a dans sa main une coupe. Bien sûr, on peut penser au symbolisme chrétien entre la coupe de vin et puis le sang. Ici, vous descendez par un des escaliers d'honneur du château, qui également surplombe une fontaine qu'on appelle Zabler, cracheur. Et ce qui permet de descendre vers les deux bassins oblongs, qu'on appelle aussi bassin à la romaine, qu'on appelle aussi piscine, pisces, parce que c'était aussi une réserve de poissons. En fin de journée, on peut voir se refléter l'image inversée du château, ce qui est très joli, et puis qui participe à cette esthétique baroque qui était tellement en vogue à l'époque. Donc il y a toujours ces deux choses, le côté utilitaire et l'aspect de plaisir et d'agrément, ce qui est d'ailleurs le thème de la Journée européenne du patrimoine cette année. Les annexes près de l'Aïche, c'est en fait l'origine de ce château, puisque c'est la forge qui a été donc établie ici, vers 1639, et qui a permis donc la prospérité de cette famille, qui a pu ensuite développer avec les siècles ce château. Puis aussi son été de commerce. Et là aussi, bon, ça représenterait aussi le fait que le comte de l'époque avait des plantes, justement, des collections aussi de choses rares des quatre continents. Donc ça montre aussi que c'est l'endroit le plus précieux du jardin. C'est là vraiment la partie la plus recherchée du jardin. Alors, ce sont des statues effectivement colossales qui donnent un côté dramatique, je dirais, à cette partie du château. Elles ont les mains liées derrière le dos, donc elles ont aussi les jambes qui ont l'air suspendues, comme ça. Un autre aspect, c'est que c'était le symbolisme des quatre continents. Vous voyez qu'elles ont des traits très marqués. Originellement, si je me souviens bien, c'est le duc de Toscane qui avait mis ses statues à l'entrée du port, symbolisant donc son influence sur les quatre continents et puis aussi son commerce. Et là aussi, ça représenterait aussi le mythe de l'Atone qui aurait transformé les chasseurs qui auraient vu l'Atone se baigner dans son bain nu en grenouille. Donc ça va assez bien avec le mythe des esclaves enchaînés par leur passion. Apparemment, dans ce que l'on a vu, une fois que c'est restauré, c'est que ça a toute l'apparence aussi d'un triton. Le mythe de Triton, c'est aussi celui qui souffle dans sa conque pour ramener les eaux après le déluge, et qui pourrait ainsi annoncer un certain retour à l'âge d'or aussi, symbolisé par l'allée mythologique. Cette allée verte, comment ne pas être enthousiasmé par cette allée verte qui est tellement agréable, surtout l'été, quand il fait chaud. C'est un endroit vraiment de fraîcheur. C'est une des plus grandes allées vertes aussi de Luxembourg, de charme. Et à côté de cela, quand on arrive sur
Quand on débouche sur ces statues, après une petite promenade sous l'allée verte, on voit ces animaux qui, on ne sait pas bien ce qu'ils sont, mais ce sont des lions, mais ce sont aussi des singes avec des pattes palmées comme des grenouilles, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc c'est comme un petit clin d'œil de l'époque, qui dit oui, je me suis bien mis en scène, mais en même temps, qui ferait penser donc à ce que peuvent devenir les hommes si, dans l'autre monde, s'ils restent enchaînés par leur passion. Donc ça marque un peu un arrêt qui force un petit peu à regarder cette loggia voûtée avec un effet d'anamorphose. Aujourd'hui, donc, nous essayons de restituer cette ambiance en restaurant le château, les terrasses, la statuaire, les parties vives, tous les jeux d'eau, circulation de l'eau dans le jardin, que j'invite vraiment à découvrir. Et je pense que la Journée européenne du patrimoine, c'est un bon moment, parce que ce sera le troisième week-end de septembre, et c'est un moment où justement il y a les couleurs qui se transforment déjà beaucoup.